Je m'appelle Pao Sissoko, musicien griot, joueur de kora. C'est moi qui a commencé à faire les démarches de Tamala avec Peter. Donc un des concerts qu'on a joué, il était là. Dès que le concert est fini, il nous a trouvés dans les loges. Il nous a dit, Bao, je produis ce groupe. J'aime bien ce groupe et je vais vous produire. Vraiment, ouais, ça a été quelque chose que j'étais vraiment ému et content ce jour-là parce que je l'ai suivi presque 2 ans sur ça. Mais finalement, c'est ce jour-là qu'il a proposé de nous produire. C'est vers les années-là, 2017, qu'il a fait la production. Bonjour, je suis Walter van den Abelen, j'habite à Caen. Je joue le violon et j'ai fait beaucoup de voyages. Le plus important, c'était à Sénégal. Comme ça, j'ai raconté ces deux grands messieurs à côté de moi. Je m'appelle Mola Sylla. Je suis musicien sénégalais, chanteur. Je vis en Hollande et je joue avec le groupe Tamala. Avant ça, c'est une autre histoire parce que moi j'avais un groupe qui s'appelait le Sénémali. On a quitté vers les années 87 au Sénégal. Et c'est comme ça que je suis arrivé en Hollande. Parfois les gens se demandent pourquoi Hollande, pourquoi pas France. Mais notre premier contact, c'était des Hollandais. On avait une agence qui s'appelait Columbus et qui se basait en Hollande. Et quand j'avais un projet, j'avais carte blanche en Hollande et en Allemagne. Et donc je voulais avoir un joueur de kora. C'est à travers un ami sénégalais, un grand musicien qui s'appelle Bachir. Il m'a dit que je connais quelqu'un qui joue très bien le kora et il habite à Bruxelles et il m'a donné les contacts, donc j'ai contacté Bao et depuis ce temps-là, ça marche. C'est en 2000, je pense, j'étais invité d'aller au Sénégal. J'avais un groupe qui s'appelait Ola Vogla, j'ai travaillé beaucoup avec des autres cultures à Gand. Et au Sénégal, pour moi, c'était une expérience incroyable. J'étais encore jeune, je viens de quitter le conservatoire. Et pour moi, c'était, au niveau de la musique, c'était quelque chose que j'ai cherché toute ma vie. Il y a un son, il y a un équilibre, quelque chose pour le violon, pour moi. Et voilà, j'étais tellement heureux et ça a commencé là-bas en 2000. J'ai travaillé surtout la musique acoustique. Je n'aime pas trop des percussions, des choses, mais surtout la musique de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Mali. Et ça m'a plu beaucoup. Et on a fait avec ce projet, c'était un échange culturel entre le Sénégal et la Flandre. On a joué à Bruxelles, en ancienne Belgique, à cette époque-là. Et Baol est venu, on a parlé. On a dit, tu joues avec nous à Gand. Et voilà, ça s'est continué jusqu'à aujourd'hui. On a joué beaucoup, une période un peu moins, mais après maintenant, on joue beaucoup en duo. Et on mélange la kora et le violon, ça me fait tellement bien. Et j'adore ça. Après des années, on discute, on est des amis, c'est comme des vrais frères. Et un autre projet que j'ai fait avec un violoniste traditionnel du Sénégal, il s'appelle Issa Madjarissou. Et Issa connaît bien Mola. Et Issa m'a demandé, on va demander Mola de chanter avec nous. Et voilà. C'était pour moi un privilège de raconter un grand chanteur comme lui. Et plus tard, Bao, il a eu l'idée, on va faire un trio. Et je dis, Bao, c'est possible ça? Et voilà, on est 4 ans, 5 ans plus tard et on joue beaucoup. Et voilà, ça me fait très heureux. Thank you.
surtout Baou qui amène des idées, des compositions et tout ça. Et ça se mélange avec Mola qui ajoute des chants, des autres lignes. De temps en temps, je fais une petite composition, mais c'est surtout Baou qui fait ça. Et on travaille beaucoup ensemble. Donc c'est vraiment aussi un travail de groupe. Tu sais, tellement on a travaillé ensemble longtemps, on se connaît, que chacun amène son idée. Et les idées là, on les partage, on le fait, et puis on dit oui, c'est bon, voilà, donc c'est comme ça. Donc on travaille en collectif, j'amène une idée, l'autre amène une idée, Mola amène une idée, on mélange ça et puis ça passe. Les instruments qu'on joue, d'accord, c'est des instruments traditionnels. Bah aussi c'est cool. Mais aussi les compositions, c'est nos compositions. On crée, on amène une autre touche, mais avec les couleurs de tradition des instruments. C'est ça que les gens pensent qu'on joue seulement la musique traditionnelle. J'ai beaucoup d'expérience dans la musique traditionnelle, comme ça, ça m'aide aussi beaucoup. Et aussi, le violon, c'est un instrument facile pour combiner avec des autres styles. Tu as le violon partout dans le monde, en Chine, en Australie, en Amérique, dans tous les styles. Musique classique, musique traditionnelle, musique du monde, musique arabe. C'est un instrument qui est très flexible. Comme il n'a pas de frettes comme la guitare, tu peux facilement suivre le chant, les microtones, des choses comme ça. Il y a aussi une façon, ça j'ai appris dans la musique folk traditionnelle, le groove qui est très important, que ça je n'avais pas dans la musique classique. Donc il y a beaucoup des aspects de violon qui se mélangent très bien. Quand j'étais au Sénégal, ils adorent le violon. Comme j'ai parlé de Issa Sow, lui joue le riti, aussi Mola a fabriqué un riti. C'est comme le grand-père du violon, c'est le violon primitif, mais je n'aime pas ce mot. Mais c'est comme le grand-père de mon violon, donc il connaît ce son. C'est vraiment de commencer à jouer avec un arcier sur des cordes, c'est universel. Donc c'était pas trop difficile de mélanger les violons. Quand je suis commencé à jouer de la musique africaine, j'ai pas essayé de tout comprendre. C'était comme un petit enfant qui apprend une autre langue. Je me juste mélange et je joue. Ça m'a donné la force d'être plus profond dans cette musique. Mais à la limite, je suis un Belge, donc ça fait aussi mon truc. Et je ne suis pas un Africain, donc c'est toujours le rencontre qui est très beau, qui est très important et qui me plaît beaucoup. Thank you.
joue ensemble, nous trois, souvent les idées, ça vient tout le temps. Donc le premier album et le deuxième album, c'est complètement différent. C'est autre chose, c'est notre style aussi qu'on a amené, notre retouche. Ça n'a rien à voir avec le premier, mais quand même, si tu écoutes le premier, tu vas savoir que vraiment, ça, c'est Tamala. Voilà. Donc, on a beaucoup travaillé cet dernier album-là. On a plus fait beaucoup de boulot sur ça que le premier album. Donc, et on s'est connu plus encore parce qu'on a beaucoup joué quand même. On avait des tournées en France qu'on a beaucoup joué. Il y a des morceaux même au cours de notre tournée en France qu'on a créé ça. Donc vraiment, ça nous a beaucoup aidé parce qu'on a joué beaucoup vraiment ensemble. Pour ça, c'est différent. Ça, c'est plus travaillé en fait. Ouais. Dank u wel. De allereerste keer dat we nummers live speelden. Dat was een world premiere. Dans la première période, on a surtout Bahoma, on ne pouvait pas quitter notre maison. On a fait quelques vidéos ensemble, comme ça, on jouait ensemble. Et la deuxième période, on avait la possibilité de se voir. On pouvait venir en Belgique, avec tout, régler les papiers, tout ça. La musique publique nous a aidé beaucoup. Et comme, je ne sais pas en français, on est un bubble, c'est comment ça, c'est le mot en français. Donc on s'est vu beaucoup Bahoma. Je n'ai pas vu beaucoup des autres gens, donc comme ça, on a travaillé vraiment beaucoup. Et on avait déjà commencé le CD avant la corona. On a juste retardé, c'était un peu plus lent, mais on avait déjà beaucoup de travail avant. Comme des musiciens professionnels, on avait le droit d'enregistrer, de travailler. Et voilà, on a fait quelques concerts live stream à Gand et à Bruxelles. Et heureusement, depuis quelques semaines, c'est recommencé, des vrais concerts. Et tu ne peux pas savoir, je suis tellement heureux, je suis même un peu... stressé, comme vraiment, j'entends le son du public qui est en train de venir. Et, ah, ça, c'est un bonheur incroyable de recommencer à jouer des vrais concerts. Waxtan rek mo ñu fi andi won ñu bëggoon bu ñu waxtane ba joggé fi ku nekk ñi bi sa kër yo balé mbékté ko xamni dootu lo ko faté ba fa ben way muni da fay dem ci kaw jawuji dem di fa seti lu ken na musuta gis ba muy dem da fa yobale ay lek yu bare 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 yobale ay nan yu bare 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 bam agge ci kaw jawuji rer hol kanamam gisul dara hol kanawam gisul dara hol chamonyam gisul dara hol ndey joram gisul dara ay bitiw rek ñoko wër ay bitiw rek ñoko wër mu son xif mar lamu yobale won lepp ci ay lek lek nako ba desetul dara lamu yobale won lepp ci ay nan nan nako ba desetul dara son khif mar
bidiw rek ñokoor ay bidiw rek mune yeen bidiw yi ndegam yeen yeena ma fété kaw ma di len ñaan ci seen yermande ngeen fatma ma and ak yeen dekk ak yeen fi Mbagal mom ci xolay joge